Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode suivant du défi de l'île, tout simplement, que Camille Sims a créé. Pardon, je bug déjà, ça commence bien. Enfin bref, on avait laissé Stéphane Land dans un état pitoyable à cause de bugs, je pense, dans l'épisode d'avant. Enfin, je vous laisserai voir de toute façon l'épisode d'avant, hein. Ouais, je vous mettrai dans le petit i s'il faut, si vous ne l'avez pas vu. J'ai commencé il y a très peu de temps pour ceux qui arrivent en cours de route. Enfin bref, donc l'objectif, tout ce qui est règles, de toute façon, je vous le dis à chaque fois, mais tout sera en barre d'infos. Vous allez juste à cliquer sur des liens qui vous emmèneront sur les règles que Camille Sims a fait. Nous avons 3189 Simflouz. Nous devons atteindre 3500 pour commencer notre abri. Donc j'ai déjà pas mal d'idées et tout. Enfin bref, je vous en parlerai de toute façon quand ça sera le moment venu. Donc il est encore un peu dans le rouge, hein. J'espère que les bugs vont être mieux. On est en automne, si je me trompe pas, oui c'est ça. Et du coup on est bientôt en hiver, donc il va falloir faire des réserves et tout, il va falloir commencer à faire notre abri, sinon on va se cailler les miches. Je vous le dis direct, on va se cailler les miches. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc voilà, on va commencer déjà à remonter ses besoins. Et puis toujours continuer à avoir de l'argent, bien entendu. C'est le but de ça aussi, pour pouvoir commencer notre défi, notre abri, pardon. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, essayer d'améliorer tout ça, quoi. Au niveau de la faim, du coup, je pense qu'il va le manger ce qu'il a trouvé, en fait, compte la nourriture gâtée, là, que vous voyez. Il va manger ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé, j'en ai parlé avec Camille Sims, pardon. Et elle me disait que vu qu'il avait trouvé ça, il pouvait le manger, quoi. Donc il n'y avait pas de mal à qu'il mange ce qu'il a trouvé dans. Voilà. Pour qu'il fasse remonter ses besoins en nourriture, parce que sinon on va jamais y arriver. Au niveau du divertissement, il faudrait que j'arrive à le faire jouer dans l'eau. Et au niveau du pour parler, s'il pouvait parler à des plantes, ça pourrait être pas mal. Explore encore une dernière fois, j'ai rien, tu me ramènes des choses en fait. J'aimerais bien que tu ramènes des choses. Il m'a ramené des coquillages. En avançant dans la caverne de l'île, Stéphane a aperçu un gros tas de débris et de coquillages. Enthousiaste, il a fouillé la collection d'objets afin de trouver le souvenir idéal pour son aventure. Son butin dans la main, Stéphane a ensuite continué son exploration. Donc qu'est-ce qu'il a pu nous ramener alors? Donc déjà, il y a un poisson en plus là. Hop. On le vend. Il nous a ramené une pierre. Oh, mais ça coûte de là, ça coûte que dalle. Il nous faut de l'oseille, s'il vous plaît. De l'oseille pour commencer cette putain d'abri. Je veux un abri, je veux commencer mon abri. Vous vous rendez pas compte comment je suis pressée. Je suis pressée. Et si on nettoie un peu la plage, peut-être que je me pose parce que j'ai pas envie qu'il parle avec des gens. Parce que vu que j'en vois là, qui se trimballe là, ni vu ni connu, là je vous vois. Hein. My god, mais carrément quoi. Vous êtes dégueulasses les gens. Dégueulasses. Un autre là. Et je pense qu'on jouera un petit peu avec le nouveau pack, enfin le nouveau pack un peu, mais ici en fait. Parce qu'on peut pas bouger de toute façon. On peut pas bouger. Nettoyer, c'est dégueulasse, vraiment. C'est quoi, c'est un dauphin là-bas? Ouais! Ah, on va aller voir vite fait. Ah, oh, c'est un dauphin, il est trop beau. Mais il a disparu, c'est quoi cette merde? Il a disparu. What the fuck? Je suis choquée. Bon, écoutez, hein, il va aller ramasser les déchets, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Après, il ira encore pisser parce que monsieur est dans un état pitoyable. Pitoyable. Tendu comme un string. Bien sûr. Hein, tout le monde connaît. C'est l'expression, hein. C'est pas moi qui l'a dit. Hein. Bon, allez, on va se faire attaquer par les chauves-souris. Ah, quel trait de terrain vraiment très utile. Mais ça rapporte tellement de gameplay, c'est trop marrant.
C'est trop trop marrant. Donc redors s'il te plaît, parce que du coup t'as pas beaucoup dormi. Donc là il a assez bien remonté, du coup je vais aller prendre la douche à la cascade. Et je vais essayer de retenter de choper des grenouilles. Ça pourrait être pas trop mal. Prendre une douche. Jouer. D'abord, on va essayer de jouer dans l'eau. Et on va essayer d'attirer les grenouilles. Voilà. On va attendre qu'il arrive par là. En espérant que ça ne me descende pas la vessie. Ensuite, on va faire un petit peu de joujou dans l'eau. T'es triste. Pourquoi t'es triste? Endeuillé. Perds une amie. Mais t'as pas d'amis, mon gars. C'est trop chelou, ça. Le mec, il a pas d'amis, genre. Ou alors, c'est dans son ancienne vie, alors. Je vois que ça. Il n'y a que dans son ancienne vie qu'il peut avoir des amis. C'est obligé. Ça remonte un peu le divertissement, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ouf. C'est pas très flagrant, quoi. On va pas se leurrer. C'est pas avec le fait de jouer dans l'eau que ça va remonter très très vite. Hein. J'ai hâte de pouvoir commencer cet abri là. Allez mon gars, chope-nous des grenouilles s'il te plaît. En plus, je sais qu'on peut en avoir des pas mal. Et à l'argent, on pourrait monter vite. Attrape des grenouilles. Allez, essaye s'il te plaît. Ah, je crois que j'ai entendu une grenouille. Oh putain de merde, j'ai fait faux espoir. Faux espoir, je suis trop deg. Je suis deg, pourquoi elle n'arrive pas à les choper? C'est trop chelou. Normalement, c'est hyper simple de les choper. La démarche de canard. J'adore. Forcément, l'hygiène elle va baisser un peu. Ah, ça va, elle baisse moins que dans les sets d'avant. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que j'en ai ras-le-bol. J'en avais un peu marre quand même. Bon, du coup, j'ai un peu de réserve. Manger. Manger. Est-ce que je suis... Bon, je suis pas dans le rouge-rouge, j'aurais pu attendre un petit peu, mais bon. C'est pas très grave. Donc là, maintenant que t'es bien, est-ce qu'on peut aller récolter un peu? Je vais le mettre un petit peu dans le verre. Manger ananas. Manger ananas. Tout arrosé. Pour les plantes qui nous restent, j'aimerais qu'elles meurent, quoi. J'ai pas tellement envie qu'elles meurent. Pulvériser l'insecticide. Ça, c'est pareil, c'est de la grosse merde. Mais je m'en fous. J'ai pas d'électricité, j'en utilise pas, donc je sais même pas pourquoi il me casse les pieds. La plante là, c'est pareil. Il va falloir que je pulvérise tout ça et que je m'en occupe parce que je vous dis, on va tout faire crever. Hein. On va tout faire crever. Déjà que j'ai pas la main verte moi de base, alors là, c'est la catastrophe. Vraiment. Qu'est-ce qu'il a encore? Allez! Brutant un petit peu. J'aimerais bien atterrir avec les. Oh, les abeilles. Il se fait piquer, bah oui. Hein. Du coup, j'ai réussi à avoir les 3500 simplouz. Du coup, eh ben, je vais mettre en accéléré. Je vais commencer à faire le petit abri avec ce que je vais remonter du gâteau.
Bon, eh bien écoutez, je pense que c'est pas trop mal. J'ai mis une tente, j'ai remonté des choses encore du mode construction, j'ai mis un feu de camp, j'ai mis quelques bougies par-ci par-là. Là, c'est vraiment mis un petit peu à l'arrache pour l'instant. J'ai remis par ça par ici pour laver les fringues, mais je vais attendre de un peu améliorer la compétence bricolage pour utiliser. Pour faire croire que, enfin, pour faire croire qu'il a construit lui-même en fait, sinon c'est trop facile. J'ai remonté la poubelle et en abri j'ai juste mis un petit toit que j'ai pris les feuillages qui étaient en bas dans le bateau que j'ai mis ici. Donc pour l'instant j'ai fait un truc hyper simple, hein. Je n'ai pas trop pris la tête parce qu'après faut vraiment que j'ai de l'argent et tout pour pouvoir vraiment faire ce que j'ai à faire et tout. Donc parce que c'est quand même pas trop mal ce que j'aimerais bien faire. Limite quitte à détruire ça et je referais vraiment un truc propre. Donc là, on va continuer à jouer. Donc, divertissement, bah, du coup, il va pouvoir allumer. Oh, ça va être trop cool, ça va pouvoir dormir correctement et tout. Oh, ça va être trop bien. Est-ce que tu peux faire griller un poisson? Oh ouais, faire griller. Poisson grillé, forcément, il va mieux manger déjà. J'ai déplacé la serviette aussi, je l'ai mise ici. J'en avais marre qu'il se fasse réveiller par. Maintenant il a la tente donc ça c'est cool. Mais la serviette je pense que je l'enlèverai ou je la changerai, je sais pas, on verra. Pour qu'il puisse bronzer quand même. Pour qu'il puisse. Ah oh, c'est bien en plus ça remonte le divertissement, ça c'est impeccable. Ça c'est impeccable. Pour l'instant j'ai pas mis de chaise, il la fera lui-même la chaise. Je crois qu'avec. Avec le bricolage, on va pouvoir commencer tout ça. Donc du coup, on a fini l'étape 1. Du coup, on attaque l'étape 2. Donc l'étape 2, donc l'objectif, donc bah, c'était de faire l'abri, développer le bricolage. Mais je te connais pas, toi, putain. Donc il me coupe en plus. Développer le bricolage. Objectif, améliorer le confort du camp, plus avoir le niveau 8 en jardinage, pêche. Et pêche et niveau 6 en bricolage donc ouais il va falloir oh mais non mais quel berlot regardez-moi ça j'en peux plus de lui oh, dans sa merde c'était dégueulasse vraiment bah écoute va dormir hein. Ah il va pouvoir dormir pleurer tout c'est trop cool. Il va même lire un bouquin. Ça, c'est trop cool. Là là. Pipi. Ah, c'est bien, le jeu de buisson est juste à côté en plus. Impeccable. Du coup, rejette-moi ça. Parce que. Vraiment, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Pause. Est-ce que tu peux lire un livre un peu? Lire la nature dans le magazine. C'est fourni avec la tente, hein. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Allumer, on va remanger un peu. Je suis trop contente. Il va enfin pouvoir manger correctement. Oh bah il se brûle sa mère. Quel abruti. Quel abruti. Ajoute une bûche. Je pense que ce que. Oh non! Mais. What the fuck, il y a un incendie! What the fuck? Ah, éteins ça! Ah, mais on s'en fout des pompiers. Éteins-le! Ouais, super, c'est même pas lui qui l'a éteint. Nous, il est. Donne le tario. Non, mais super, t'es censé ne pas être là, quoi, toi. Espèce de con. Si tu pouvais dégager de mon terrain, par contre. Merci de m'avoir éteint mon feu, mais dégage. Non, mais what the fuck. Non, mais ça va, c'est tranquille. Je suis seule. Je suis seule. L'autre, il pique mon feu, quoi. Mais dégage de là en fait, machin là.
Dominique Fire. Mais là, alors là, franchement, je suis en train d'halluciner, quoi. Je suis pas tranquille chez moi. Non, parle pas. J'ai un main qui se casse, l'autre. Faire griller, poisson grillé. Non, mais c'est la fête, pourquoi ils sont tous chez moi, en fait? Je vous ai pas invité? Oh, mais t'es toujours tendu. Toujours tendu, toi. Ça, c'est le divertissement. Qui casse les pieds. Mais ils sont sérieux, quoi? Ils me cassent les couilles. Ah, tiens, il s'est fait attaquer, je crois. Non, bah, va me prendre un arbre. Elle m'a piqué un arbre. Elles ont été saisies et ne lui appartiennent plus. Celui-là lui a permis de rembourser sa dette. Néanmoins, s'il doit encore de l'argent, il ferait mieux de le rembourser ou sinon il devra s'attendre à d'autres visites amicales de l'huissier du quartier. Mais what? Casse les couilles, hein, leur huissier à la con. Là, de base, je suis hors réseau. Oh putain de merde! Toi, c'est violent! Mais non, un incendie encore! Où ça? Deux incendies en peu de temps, c'est un truc de ouf! Et de base, ils sont même pas censés venir chez moi, eux. Bah, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Et puis, ils s'effondrent, voilà. Tu sers à rien! Tu sers à rien? Voilà, la preuve! Allez, attaque d'abeille! Voilà. Le beau spectacle. Et t'as faim. T'as faim. Et bah écoutez. Merde, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je l'ai bougé comme ça, ok. Allumé. Allez, grouille. Et faire griller. Poisson grillé. Donc voilà pour cet épisode et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera samedi d'après, comme tous les samedis à 10h. Si vous voulez me soutenir aussi, vous pouvez regarder des pubs sur Utip. Je vous mettrai en barre d'infos, toujours en barre d'infos. Et donc le principe d'Utip, c'est de regarder des pubs gratuitement. Au bout de 100 pubs, vous avez 1 euro et vous devenez Fire Tipper. D'ailleurs, merci à Caro Sims Univers qui est ma première Fire Tipper. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Non, je la remercie beaucoup. C'est quelqu'un que j'adore, que je suis et que j'adore, donc voilà. Voilà, je sais pas trop comment m'exprimer, mais en tout cas, voilà. Petite dédicace quand même. À chaque fois, de toute façon, c'est elle qui m'inspire dans ce que je fais aussi. Donc, entre Camille Sims, bah, enfin, tous ceux que je regarde, en général, ils m'inspirent. Donc voilà, je les remercie tous de me soutenir, enfin même à vous de me soutenir dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Bye!